Bienvenue chez Gibson Tim. Ça, c'est les chasseurs de tempête. Mon intuition indique qu'il y a du vent. Il y a du vent. Regardez, vous pouvez voir la lune. Ça, tempête, mais. Et la lune. Moi, je dirais qu'il fait au moins 10 degrés. Avec des vents. Je sais pas, il y a aucun vent là. Faut faire attention aux gros objets qui pourraient partir dans le vent, parce que c'est tout le temps les gros objets qui partent en premier. Attention aux trous. Quand il y a des tempêtes, il y a des trous qui se créent dans la terre pour absorber les loups. Rapport de Radio-Canada, ils disent qu'il y a du vent. Il y a du vent! Okay. On est dans l'œil de la tempête, regardez. Aucun nuage. Regardez alentour, des nuages. Vous avez probablement rien vu, mais c'est ça le but. Vous voyez là-bas, c'est assez grand. Un auto qui passe à sa chambre. Regardez les yeux ouverts. Il y a des dangers. Des bébés qui volent. Le vent est tellement puissant qu'il me désoriente. Le premier dommage de la tempête. Je suis le premier à voir ça, Julien. Regardez comment ça a coupé l'arbre. Vous pouvez voir ici que l'arbre est coincé dans d'autres branches. C'est terrible, faut que j'appelle un 911. Un autre problème des tempêtes, c'est qu'il n'y a pas de signaux. C'était avec le gym. Allô? Ah ouais, il y a un arbre qui est tombé chez moi. Il est complètement plié. On va continuer l'exploration. Plein de même. Et ceci conclut notre reportage de l'ouragan Sandy à Joliette. C'était terrible comme nuit, mais c'était finalement fini. Merci d'avoir écouté. De Gibson and Tim. C'est bien fini. C'était long, puis il n'y avait rien qui se passait. Ouais. Ouais. C'est quoi ça?